québécois. Là. The Sleazy Grizzly. Sleazy Grizzly. Puis tu pourrais l'écrire Lee comme Bruce Lee, tu sais. Comme le Kung Fu, genre le Grizzly. Ouais, 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 ouais. Grizzly. Vous êtes prêts? On est déjà. Ben, c'est ça qu'on va faire. Vous êtes à Verso.tv. L'émission Regarde avec. On regarde un battle avec du monde. Ça s'appelle Regarde. J'ai pas encore de nom, j'avoue. Regarde avec, c'est bon. C'est qu'on va regarder Giroux contre Waka. Avec Waka et Monkey. On est avant leur battle, donc Monkey dit qu'il va en profiter pour lancer des petites shots ici et là. Je non, sais pas, après... non, pas besoin de lancer de shots. Les shots vont être évidents, je pense. Là, ça va être tout le monde à la télé vont le voir autant que nous. La disgrâce de mon futur adversaire. Puis après ça, Monkey va lire les commentaires sur son battle en France. Répondre. Monkey versus les battles des RC. Yes. C'est bon. Avant qu'on commence, Waka, est-ce que tu as envie de m'expliquer un peu le contexte dans lequel le battle s'est fait? C'était quoi? Ben, tu sais, tu peux regarder juste l'image. À gauche, ça c'est moi, ça. Ok. Non, mais c'est un battle que, en fait, ça faisait vraiment longtemps que je voulais, genre. Pis là, tu me vois, je suis juste à côté de Monkey, là. Ah, ben, c'est un ballon, ça faisait longtemps que j'avais demandé à Philly, pis ça a vraiment été chiant, là, pour vrai, accepter ce ballon-là, parce que ouais. Giroux, c'était vrai, il était vraiment dur à convaincre de travailler pour cet argent-là. Ouais. Ça a pris beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour ce ballon-là. Fait que. Ça a coûté une fortune. C'est pas mal ça, sinon, je vais plus expliquer ce qui s'est passé si on va, comme, un peu plus loin dans le ballon. Ouais, ouais, ben, on va commencer. Ouais. Ça fait. Okay. Fait que moi j'ai les deux. Ouais, toi t'as deux écouteurs, mais vu que c'est ton ballon, c'est ton petit village. Fini Grané qui est filler nooch, on est au word of X, les balls de fucking shows, full battle going down, c'est le meilleur fan de déjà la barre est plus courte. Ouais. Plus courte que j'ai vu. Les cheveux sont blancs. Tu nous parles du choix de casquette, pourquoi t'as choisi cette casquette-là? Une raison? Word up! Non, je l'entends vraiment pas fort. C'est oui. Ben non, attends. Rising, on touche la ligue! Il a tout tué pendant la saison! On est ça. Loudback! Shout out mise en place pour le gear. Ok, comment let's do this, man, ça fait un petit bout, j'attends ça. So let's tu vois, comme quand je dis. Quand je dis ça faisait un petit bout, j'attendais ça. Ouais. Ben, ça revient un peu à ce que je disais. Ça faisait un petit bout. T'as-tu des bars préparés déjà sur les gens que tu attends de battle depuis un petit bout? Yo, ça c'est un mythe. T'avais-tu des bars sur lui? C'est un mythe. Où, lui, actually, j'avais des bars. C'est sûr qu'il y a des bars sur moi. Il y a des bars sur moi depuis 2-3 ans. C'est sûr que t'avais des bars sur Giroux, bro. Giroux, oui, parce que je m'attendais à le battle. Toi, je m'attendais pas nécessairement à le battle. Je m'attendais pas pour vrai à le battle. C'est flash en tout cas. Est-ce que tu pensais que t'allais battre Giroud? T'étais dans quel mode? T'étais-tu comme yo, je vais le ouais, je pensais que j'allais le battre. Je pensais que j'allais le battre parce que moi j'étais sur mon rise puis lui il était. Sur le déclin ou il était moins actif? J'avais pas le mot déclin, tu sais. Ouais, ouais, il était moins actif. En tout cas, gros match-up sur papier là. Giroud c'était un gros. Dernier battle à Giroud, je pense que c'était contre Whisper au 07. Ok. Battle débattable, mais Edge Whisper, je pense. Ok. Du moins, Whisper a plus connecté avec le crowd. Ah, ça c'est. J'étais là. Je l'ai juste vu une fois ce battle. T'étais censé battre Raph, mais t'as no show. À ce event-là, si je me trompe pas. En tout cas, c'est pas important. On porte ça? Allez! C'est fast, tu commences ou il commence? C'est Skywalker qui commence quand je dis word up ou dis X! Word up! Yeah. Oh ouais. Fucking go! So yo! Finalement, j'ai vu sa garde-robe. 6 shirts noirs puis un mauve. C'est à ce moment-là que j'ai fait comme wow! C'est un pauvre! Est-ce que vous comprenez pas, il est tellement G-Dub, ça c'est un shit qu'il peut lui-même prouver. Pour des tickets pas payés, il a été en prison jusqu'à 2 fois. Dans la même journée.
Merci pour le shot d'eau, je suis reconnaissant que grâce à toi on soit main event, mais c'est doublement bad comme fumer du crack puis manger du PFK dans le même evening. Wow que tu m'intimides, tu marches, tu growls, tu t'habilles comme un damn viking, mais si tu fais une erreur d'orthographe dans un texto là, il est indigné. The fuck? Yo! C'est un grammar... Hein? C'est un grammar nazi, Actually, yeah! J'ai posé au moment là, faut ramener ça un tout petit peu. Oh yeah! 10 secondes. Là. Ok. Oui, mais je savais pas, j'avais jamais. Tu vois, c'est pas là sur Inside ou. Non, c'est actually, je pense que c'est le Scap qui m'avait dit ça parce que c'est un bon boy à Giroux, pis. Ouais, c'est, il aime vraiment pas ça quand le monde font des fucks. C'est Scap qui t'a juste, juste donné ça pour avoir le punch, genre? Non, c'était. Non, c'est une situation random. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Tu growls, tu t'habilles comme un damn viking, mais si tu fais une erreur d'orthographe dans un texto là, il est indigné. The fuck? Yo, je pensais qu'on était tight, Joël. On a déjà bang une forme ensemble, est-ce que tu t'en rappelles? Ok, tu vois, ça prend une pause. Ouais. Moi, je veux dire une pause. Ben, on est. Vous êtes des amis de way back ou? Non, tu sais, on a chillé une couple de fois ensemble. Des fois, ça juste happened. Ouais, c'est ça. Une fois à Ottawa, man. Yeah, man. Puis c'était la fête à Giroux. Fun fact, moi, avant ce bar-là, je savais que c'était arrivé à cause ouais, que Marie-Mielle Honeybee m'avait raconté ça. Oh, shit. Fait que là, quand j'ai vu le bar-là, j'étais comme, OK, je vais avoir le backstory, là, je vais avoir le wow. Good. OK. Ouais, je veux parler d'un épisode. Non, moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu de l'animosité entre vous deux? Ou à ce moment-là, vous étiez boys quand vous avez battle? Ouais, non, il n'y a jamais eu d'animosité. Ni avant, ni après. À un moment donné, oui, je pense qu'après, il était comme... Il m'avait dit, voir que t'as parlé de ça. Je pense que ça l'avait fait comme un petit peu, mais il s'attendait pas à ça. Still, ouais, c'est ça. Mais je peux pas comprendre à quel point je peux pas t'attendre à ça. C'est sur le speak-up, le ticket à 50 gouttes qui essaie de flip, mais c'est à elle, bro! C'était comme un petit personal, mais t'aurais dû, moi j'aurais fait deux gars, tu me juste skin. Mais j'étais pas down que tu sois là, donc! Mais la Steph était DTF, soit c'est deux dicks, soit c'est pris 4 balles comme Easy S! Wow, ce bar là. Très bon bar. Yo, avec elle, c'est moi qui a open the door. Sans aucun effort. Quand je pense, c'est un peu comme à soir. Tu penses quoi? C'est un heureux hasard. Tu drop life, c'est feu de la rampe, man. Word gets around. Si t'as eu les thunes que tu voulais, c'est grâce au walk que sur tes excuses, tu les présentes. Parce que tu sais, tu peux pas hang dans ma classe comme la prof au début de Monsieur Lazare. Hey, ça, c'est très important. C'est quoi, Monsieur Lazare? Je sais pas c'est quoi. C'est le film de Philippe Falardeau, là. C'est le prof, genre, algérien qui vient enseigner dans une école à Montréal, là. Puis, en fait, c'est parce qu'il y a une prof qui s'est pendue, genre, dans la classe. Okay. Tu sais, tu peux pas hang dans ma classe. Comme, en tout cas. Hang dans ma classe. Faut quand même t'aider. Hang dans ma classe. Non, mais c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Yeah, still, ouais. Hang dans ma classe. Ouais. Dope. Pis yo, je tiens à dire, yo, ces patterns-là étaient de feu, bro. Ton rapping est impeccable, bro. Pis les rimes sont. Rock, les multi, les rimes sont riches, le flow est très fresh. C'était très très nice de t'as un petit slip, mais malgré tout, peut-être ça ma plus grosse force, dans le sens que, genre, c'est rare que j'ai des performances où que j'ai pas des petits... Avec le flow que tu t'imposes, avec le débit que tu t'imposes, c'est on avait parlé de ça. I mean, Joël, Boswell, t'es dans l'incapacité de rester tes Boswell. Tu te demandes pourquoi tu shines pas, tu devrais peut-être passer un peu moins de temps sur le dark web. I mean, t'es un clown, Wigger, comme c'est même pas fucking permis. T'es un clown, Wigger, comme c'est même pas fucking permis. Dans un monde fucked up et gris, pour moi, t'es un comic relief. No love, straight up des disques, comme Nadia Comaneci. Tu fais smoke sur scène, comme le spécial de Norman Osni. I mean, fuck la camaraderie. Attends pas que la situation dégénère, te blow up au visage, puis que tu finisses plus de sourcils, comme Paul Amarani. C'est qui Paul Amarani, ça, je sais pas. C'est qui. Tant québécois qui a pas de sourcils. C'est quoi la barre? Hein? Je sais pas, c'est fucking stretch, là. Ça va brûler dans ta face. Il y a des sourcils.
regarde des sourcils si, comme c'est ce que c'est, en fait, la mère, rien de plus que qu'est-ce qu'elle dit. Manosni, I mean fuck la camaraderie, attends pas que la situation dégénère, te blow up au visage, puis que tu finisses plus de sourcils comme Paul Ramarani. I'ma catch a buddy, I'ma catch a buddy, t'es une joke, une contradiction, on veut pas de ta contribution. Celui qui disse le mouvement, mais qui apporte pas de solution. Chris t'a même pas fait de promotion, the fuck's wrong, attends pas que je monte ta garde, parce que quand je suis dans ton hood, ça coûte cher, ça c'est une contravention. C'est une référence aussi, on dépensait pas mal d'argent que je suis là. Personne dans le roster peut fuck avec ma plume, man. Ils sont pas du tout forts. Si on parle de pen pis de bars, pourquoi le seul qui me vient en tête, c'est Bouchard? Fuck you all! Tu sucks, c'est sloppy quand tu spit, deep throat. Ce better a ton nom dessus, Steve-O. Jeez, bro! Girouchou plus de rapper que Vlad TV. Je vais liquide, transforme sa fucking presse en Daiquiri, man. Daiquiri, c'est ça! Moi, je suis à Vlad TV. Je parlais pas trop de sa petite vie, ben je m'en tabarnasse. Un couteau à 90 degrés, c'est ça mon arme d'attaque! C'est là une barbe! C'est l'un barbare et clever fucking démolisse la place. Avec ce big asshole, je te décolisse la face. Bitch, décolisse ma face. Mon smash ton pumpkin, Billy Corgan. Toi champion, bullshit, shout out à Jordan. À 90, ta masse des nudes sur du Scorpion. Je sais pas, mais moi je suis comme un fan de. Pardon, je suis comme un fan de bars random, genre comme ça. Tu sais, c'est comme. C'est pas un bar en soi, mais c'est fucking drôle, tu sais. En 90, ta mère se dénudait sur du Scorpions. Ouais. C'est pas genre. À moins qu'il y ait de quoi là, que je cache pas là-dedans, là. Mais c'est juste une image. Une image est forte, tu sais. Ouais. VK, il fait souvent des choses. Ouais, genre, exact, ouais. Ce genre de référence, là. Merci. Ouais. Ils vont les chercher comme Scorpions! L'énergie, bro, l'énergie, man. Mais là, il y a deux maîtresses pour encore. Les deux, là. Premier round, les fous. Boum, boum, boum. Ok. Je pense que c'est le premier, mais. Passe au round 2. Oui, mais il y avait beaucoup d'attente parce qu'il y a écrit beaucoup de drama, tu sais, avec le cachet. Il est un peu short de son. Ça, c'est mon round de gun bars, là. Pas rien à foutre. Détaillé en imprimante. Pas rien à foutre. Détaillé en imprimante comment j'offre des cartouches. Ta mère comme V-Rock veut protéger son fils. Comme un voleur qui enroule un shirt autour de sa main avant de pop une vitre puis voler un coup. Sort un knife, la coupe sur le top comme un gars qui ajoute du stock sur sa poutre. Après ce steal, à l'obstru ma route laisse les chiens se diriger vers la mer comme une top qui accouche. Ouais, ben, je te dirais, tu sais, là, pour que ma passion animalière. Le grizzly est back, man! Le grizzly est back! Après, si t'arrives, attends, moi, j'ai. Si t'arrives avec un bon animal bar, là. Animal bar, ouais. Je serais down, genre. Je sais pas si. Je pense j'en ai pas. T'en as pas, moi? Ça vaut peut-être la peine que je réécris au complet mon bar. Peut-être des animaux. Yeah, comme une tortue qui accouche, walk the one and only one man army. Un jour va bien falloir que tu te l'avoues. Pour que t'arrêtes d'agir autant comme une bitch insécure, c'est quoi? Va-tu falloir que je sorte un bayou, que tu sortes du bayou? Guillaume Lemieux, tu vierge dans sa jeunesse là, tu ride avec un fucking mat ou jol de voyou. Là, tu ride avec un fucking voyou, jol de mat ou pointe ta style avec une voix high pitch comme hey bitch, I'm coming at you. Yo, après, je les bang, y'a le plus de jaune, c'est le Dr. Mayou, I mean. That hurts actually. Yo, Ça va pas passer. Ça fait mal, actually. Let's go, toi tu dis, ça va pas faire mal.
Hashtag me, touche un mean dude. Pourquoi seulement j'acte comme ça? J'ai deux guns qui tirent un coup simultanément sur la bitch. Un s'appelle Giro, l'autre s'appelle Skywalker. Ça c'est... Ben oui, tu vas mettre dans ton avis. C'est sûr que t'as la parole. Genre à shoot dans tes rotules. Le monde me dit de chill out, mais quand le gun kick back, c'est la seule fois que je prends du recul. I mean... Go loco sur ton ass, c'est le fuego là que je crache. Tantôt aux urinoirs, yeah yo sur mon debit card. Deuxième fois ce soir qu'il y a un coco sur la carte. Bro! C'est le faux qui fait bang. Kidnap ta staff, on vient en auto pour la grab. La laisse dans mon grenier, soit attachée juste en haut comme une chemise de cholo dans une gang. Waouh! Jusqu'en haut! Mon chemin, mais j'ai la main ouverte sur laquelle tu peux insérer la monnaie. Sinon, tu peux get le fils, le pop ou le grand papa. C'est intergénérationnel. Wow. Ok! Ton round de gunbars. Ouais, C'est le fils, le pop, le grand papa. Elle a quand même un popé flow, la crise de grosse poupe, mais pas assez pour ça. Ça, je trouve c'est fou quand il commence à faire la crise de grosse poupe. Tu vois, il vient pas de Montréal. Elle a quand même un popé flow, la crise de grosse poupe, mais pas assez pour fuck avec Giro. Je laisse cette hoe shook. Je vais hit la bitch dans le ventre avec un crise de gros hook. Il va perdre son flow. Whoops, je m'assure que le faux se couche. Fuck it, show le métal dans le bord, on va se croire au fouf. Et yo, yo! Fucking show dans le bord. Show le métal dans le bord, ok, moi je m'attends au fouf. They all talking about rap, mais tabarnak, Gabin. Pensez-vous vraiment que c'est top pour moi de rap comme assassin? Old school comme le cat, et je suis trop smooth pour sa patte, c'est trop cool pour le school, tire d'où je vais, school sur le target, peu importe. Old school comme le cat, et je suis trop smooth pour sa patte, c'est trop cool pour le school, tire d'où je vais, school sur le magnet, je peux te reprendre tout sur le magnet, c'est le toutou que je back, c'est chouk chouk, mais magnifique, j'ai trop, c'est le master shit! Gros pause de flow. Ouais, mais j'ai remis l'inspiration de Europe, parce que nous en avons. Trop de napkins, bitch! Mais lui, pensez-vous qu'il peut faire ce que je fais sans que ça soit trop mauvais? Voyons voir s'il peut fuck avec mon flow, madame. Y'a beaucoup de failure digger quand cette bitch rhyme. Zip him up avec le quai, elle est de shit shine. Get the fuck out of my face avec tes titres line. T'es pas prêt pour ces bars comme 6ix9ine. Big time, big time! Ça, c'est bon, ça, il y a le mieux que le double time. C'est genre comme c'est juste des fois il manque un peu de flavor, en tout cas j'ai pas, tu sais, mais en même temps il est lui-même, c'est comme c'est all good, c'est son shit, je sais pas si on va voir un battle de Giroux, je pense qu'il y a lieu, man. Y'a beaucoup de fait le dégueu quand cette bitch rhyme. Zip him up avec le kill, let the shit shine. Get the fuck out of my face avec tes titres line. T'es pas prêt pour ces bars comme 6ix9ine. Big time, it's time. Fuck all this rapity rap shit, c'est juste un peu d'eau. Très peu de quote. Le début de Benjamin Button, bitch, c'est un vieux flow. Le début de Benjamin Button, bitch, c'est un vieux flow. Sérieux, tout sérieux. Pour l'instant, le ballon est quand même serré. Là. Moi, je. Les deux, vous êtes venus en même temps pour le game. Moi, j'ai quand même une forme de favoritisme pour. Je veux juste dire une chose, c'est que j'aurai zéro filtre. Pour ton comme filtre, je te j'excelle. Mais gros, gros choc de titan. Là. J'excelle. Toute ma vie, je l'ai passé à marcher sur des eggshells. Là, les styles se font tailler comme des headsets. I mean, c'est quoi qu'il faut que j'accepte d'un gars qui. Ah, j'ai trop careless, t'as pas le droit de dire que tu t'en crisses quand t'as drop de Gatineau exprès en Amigo Express. Wow. Ah mais pour vrai, man, je vois clair dans ton jeu. Tu me l'as toi-même dit dans le temps, t'as commencé à prendre la drogue pour faire comme Walker. Pathétique. Yo, t'as une crise... C'est quoi, juste sérieux, je pense que... Ami, c'est sûr que j'ai exagéré, là. Ah ouais. Je pense que...
ça, c'est comme... Tu l'introduis. Juste prendre la drogue. C'est ça que tu dis. I mean, ouais, mais tu sais que... Tu l'introduis au plaisir de la drogue. Je pense qu'il a commencé à expérimenter peut-être plus tard, puis genre... Ouais. Mais j'ai nothing, j'ai rien que je fière là-dedans. Là, c'est comme... C'est pas là. Mais c'est bon, je voulais la confirmation. Mais, actually, je pense que ça avait plus d'impact si t'as été comme, si t'avais plus peut-être développé genre, ah, oh, c'est moi la première tête. Tu sais, tu l'as déjà fait avec Freddy, je pense, tu sais, c'est un shit qui t'a déjà dit, genre, c'est moi qui ai introduit telle à la drogue. Mais là, t'es plus comme, ah, oh, t'as pris la drogue pour être comme moi. Alors, c'est plus comme, un peu comme, bon, c'est pas crédible, tu sais. Alors, tu t'aurais plus détaillé, oh, ben, genre, d'ailleurs, genre, c'est moi qui t'ai introduit à ça, tu nommes les substances par exemple, tu sais, ça t'a marché. Ouais, non, c'est clair, je sais pas. Je sais pas si. Par exemple, si c'est une approche dans le temps c'était bien correct, là, ouais. Genre, que je reprendrais aujourd'hui. Ouais, là, ouais. Je trouve que c'est questionnable, mais tu sais, comme pour être bien honnête, comme à chaque fois que je check des battles, plus que ça fait d'années, plus que je re-questionne certains shit que j'ai dit, ouais. Même auprès des. Quand je pense aux filles en général, comme. Ça n'a pas d'allure de dire autant de fois que je baigne les steps de d'autres personnes. Ah, ça, t'en as tout le temps, cette petite barre-là. T'as tout le temps une barre qui vient avec. Ouais. Tu sais, c'est pas juste le dire pour le dire, ouais, pour être choquant, mais c'est tout le temps omniprésent dans ton. Là, tu mettrais plus ça, tu parsèmerais plus sur tes ballons de petits. C'est toujours dur parce que des fois, quand tu t'en penses à une bonne, genre, c'est dur de. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je veux vraiment comme continuer à genre. Avoir un esprit qui pense à ces shit-là, genre. Right. I don't know. Right. Non, je suis avec toi. Straight up. C'est fresh, c'est des bonnes réflexions. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui est seulement arrivé dans tes battles ou ta musique aussi? Il y a des choses dans ta musique que tu re-questionnes avec le temps ou c'est vraiment plus une réalité qui accompagne plus le battle parce qu'on fait des insultes puis on disse les gens? On a tendance à être plus vulgaire. Ouais, je pense peut-être des vieux tracks là, que j'ai fait que pas vraiment de monde a entendu peut-être que la question. Ah mais pour vrai, mais tu vois clair dans ton jeu. Ouais, tu me crois même dit dans le sens de commencer à prendre la drogue pour faire comme Walker. Pathétique. Yo, t'es un triste accro. Pathétique. T'es un triste accro du casino de sur du gambling. C'est impossible. Comment tu fais pour spend autant des machines mais que t'as même pas de whip? Hein, getting this. Okay. I mean, je te honte, je te montre, je suis un veteran. Slash ta tronche de façon que t'es de l'art du fucking monstre dans The Stranger Things. Ta blonde peut bouger des choses chez moi avec son head, je l'appelle Eleven. Bro, ce fucking vit ta vie puis ferme ta jeune. La façon que je m'occupe de ces pop mods, je pense j'ai fait un stage en Italie. Yeah, bro, quand c'est quoi l'Italie? C'est quoi l'Italie? La façon que je m'occupe de ces pop mods, je pense j'ai fait un stage en Italie. Tu traites les rappers de pop mods. C'est ça, ok. Mais moi je pensais que t'avais dit mod, je pensais que c'était une référence à mod. Ah shit, dans le prochain battle. Il y aurait peut-être eu. Pourquoi qui peut-être bon. Pas trop de line sur la mode avec Géo, pour vrai. Non. T'es pas de mode, je pense j'ai fait un stage en Italie. Yeah bro, quand je rap dog, tu catch une epiphany. Quand tu rap dog, y'a plus de blanc qu'en Scandinavie. The fuck's wrong. Yo, sauf de toute façon, tu peux hate dès que je fais quoi de bon. Tu peux drop des longues lignes sur le sky, mais c'est peu probable qu'elle me trail back home. Oh! Wow. J'suis sur mon own shit, bro, j'suis charmant, puis j'ai de l'attitude. T'es un lazy boy, t'avais un talent, mais tu t'es assez dessus, allez tu. Let's go! Yo, t'avais un talent, mais tu t'es assez dessus, Amine. Je suis juste un meilleur rapper overall. Les rappers que tu adultes me font des beats. Chaque jour que je me lève, mon skill increase dès que j'écris. C'est qui? Yo, c'est qui le rapper qui adulte qui te font des beats? Ouais, je pense que je devais parler genre de reptile. De... Ah ouais? Ouais, je pense. Charles Reptile en parle. Ouais. Mais de push the food pour ses cats comme du fancy fee. So fresh, so clean. Toi, t'as une tache de jeans sur ton chandail, puis t'es en train de perdre tes jeans. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, yo, G va perdre ton head. Yo, ton head va disconnect. Tu vas payer pendant longtemps comme une hypothèque. Yo, tu grab des lunch, tu get des free slices, je suis le pizza man. Ensuite, les plantes dans ta tête comme un chia pet. I mean, bro. Time! Moi, c'est. Je pense que c'est des animaux qui poussent des plantes dedans. C'est un chien! 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 C'est un chien!
Mais cette bitch go crazy dans Blow comme Penelope Cruz. Hey, oh shit, attends, moi j'ai une question là, parce que ça c'est intéressant. Puis ça, ouais, ça c'est fucking bon. Puis en même temps, il dit, tu sais, là on est vraiment sur le débat. Moi je parlais de la drogue puis tout ça, puis je parlais de sa consommation de drogue qui était influencée de la mienne. Puis là lui il dit comme moi je fais une petite ligne. Puis là mais tu sais c'est bon, mais ça readdresse la situation, ça readdresse la situation, il tourne négativement là, comme toi t'en prends plus. C'est ça qui est drôle avec la drogue, c'est que tu peux dire ah oh, toi t'en les fois que t'en pris c'est moi j'en tu peux te vanter d'en prendre, ou tu peux dis quelqu'un d'en prendre beaucoup, genre ça va dans un sens. Ouais, non c'est ça. Puis tu sais c'est comme ça prouve vraiment que le battle est personnel. C'est genre, c'est pas... Comme... Ça paraît que vous connaissez bien. Ouais, ta métallurgie pourrait être mieux, pis ta plombe, il fait dur. Je te mélange en Oak et puis Rogue, prêt à plomber ses nerfs. Tu veux pas interrompre le show, man, je honte ce Eckler. One shot, il est dead, j'ai le Golden Petter. Non, oh! Golden Petter, ok. Ça, on en pense quoi, le Giroud, il y en a d'autres, le trend de dire un Petter au lieu de dire un gun, puis faire un gun bar avec ça. Bah, moi, à Gatineau, c'est fort. Bah, c'est ça, c'est très québécois, c'est très local, right? C'est très slang d'ici. Fait que moi je suis pour le fait que les gens s'assument, mais moi je trouve que c'est pas la manière la plus éloquente de parler de ce qu'on parle. C'est pas un beau mot là, c'est le Petter, gros Petter. Tu sais que t'as pas dit ce mot là dans ton track avec Kendrick là. Non, c'est vrai. Un Petter pis un rocker, ces deux mots là pour moi c'est pas des mots, t'sais, un hot dog pis un gun là, t'sais. Mais ça marche avec lui, il crie, t'sais, il y a plein de choses que lui fait que moi je ferais pas. Il y a juste au Québec qui est... Il est bon dans ce qu'il fait, il est bon de comment il assume l'ensemble de son chant lexical, sa performance scénique, ses tons de voix, tout ça fit avec le super-héros de Giroud, tu sais. Fait que moi je suis down, quand ça sort de ses cordes vocales à lui, je suis down. Mais si mettons Bucci disait ça, ça serait vraiment ça serait bizarre. Et puis si mettons t'avais à faire une murale comme à, puis t'avais le choix de dessiner Bucci ou Giroud, ça c'est qui tu... C'est une bonne... T'irais plus avec de quoi de rugged, Giroud, ou plus de quoi de genre esthétique? Ben en fait, c'est sûr que faudrait que je trouve leur esthétique, évidemment. Puis chaque personne a leur ambiance. Comme si je te peindrais, c'est sûr qu'il y aurait un immense grizzly derrière toi, tu sais. Puis des petites tortues qui retournent à la mer. Et donc, chaque moment, chaque ambiance a son espace. Mais je peux pas dire si Bucci ou Giroud seraient les mieux à peindre. Ça, c'est un peu... j'ai pas de réponse là-dessus. Ok, il y a un wild quiet est-ce que si je gagne le ballot, où on... dit que j'ai gagné ou que c'est assez bon là. Ouais, mettons. Est-ce que tu peux faire un dessin de moi, genre? Avec ma tête dans tes mains comme David que tu es Goliath, genre. Pas parce que je suis David et toi t'es Goliath ou l'inverse, mais parce que c'est une belle image. Mais c'est dans l'optique que t'as perdu. Ouais, non pas. Ah, mais ça existe pas cette optique-là. Ouais, mettons, on parle mettons dans l'imaginaire. Toi, tu fais quoi? En hypothétique. Ça se pourrait que je perde. Mais dans la vraie vie, c'est impossible que je perde. Tu sais que c'est impossible que je perde. Même quand je perds. C'est pas impossible. C'est pas impossible dans l'optique où c'est que, genre, t'es. C'est vrai, t'es une force tranquille, genre, je vais dire ça. Mais. Mais là, t'as raison, puis j'ai dit ça en blague, hein. Il y a des bonnes chances que je perde le battle, moi ça m'inquiète pas. Moi je veux faire un bon battle, moi c'est ça, je veux faire... Moi je vis bien avec le fait de me faire détruire si j'ai amené mon plein potentiel, puis si la personne a amené son plein potentiel. Quand je choisis un battle avec qui faire un battle, je choisis pas quelqu'un que je pense que je vais gagner d'avance, j'essaie de prendre quelqu'un que je considère dans mon tier, tu sais. Et donc même si t'es peut-être favori pour certaines personnes, ou whatever it is, ou moi favori pour d'autres personnes, je considère qu'on est dans la même ligue, je considère pas que t'es quelqu'un que je vais body bag ou que je vais me faire body bag par toi. Donc peu importe si je gagne ou si je perds, je crois que le battle va être bon si ni moi ni toi on a choke. Donc là-dessus, ça me va. Mais malgré tout, je pourrais pas faire une peinture de toi parce que c'est quand tu m'as battu trois fois. Si tu me bats trois fois, je te fais une peinture. J'ai pas dit une peinture. J'ai dit un petit sketch. J'en ai déjà un sketch de toi, tu sais. C'est vrai. J'ai roué sur tes épaules. Puis t'as un nez de clown, puis d'attitude, tu viens de recevoir ta note de bulletin, puis t'es vraiment pas down, hein.
Ah ouais, je te montre tu sais, quand je te montre le mec. Shit, that's crazy. On termine ce round des yeux. Qui l'a cru? Qui l'a cru, bro? Ça va avoir des millions, man. That's crazy, man.